Salut, nouvelle semaine sur e-racing. Donc là, on est sur la roof GT3 sur Moon Panorama. Autant dire Bathurst. Donc on va partir pour 30 minutes de course. Alors, il n'y a pas grand monde pour l'instant. C'est la première journée. Nous sommes mardi. Il fait le premier temps au niveau des qualifs. Et on va voir ce que ça nous donne. Donc on est 10, la course compte. Je pense que ça doit jouer par rapport au nombre de points, par rapport aux participants présents, j'imagine. C'est pas grave, on va bien voir ce que ça dit. Bon départ. J'étais du bon côté de la piste, j'ai bien géré l'embrayage, donc maintenant, je le dis souvent, l'ennemi sur Bathurst, c'est pas le chrono, c'est les murs. Et là déjà, je me fais surprendre comme un con. Forcément, le grip n'est pas le même. Donc je me mets déjà en difficulté. Bon, ça aurait pu être pire, hein. Sois pas trop pressé derrière, t'as une demi-heure. Si t'es plus rapide, t'auras largement le temps de me prendre. Ouais, déjà ça sort. Quelle grosse erreur au niveau du freinage, incroyable. Le pire sur ce circuit là avec la roue, c'est qu'elle est très très rigide. Alors je vais déjà essayer de le garder au contact. Puis on verra après s'il faut accélérer. Là, on est à 1 seconde 5.
forcément maintenant avec le soleil, changement de luminosité, les points de freinage changent également. Enfin, ils changent, tout dépend des repères qu'on a pris, mais. Dans la partie sinueuse derrière, ça revient très vite. Devant, il est un petit peu plus rapide. Mais bon, ici, ça se joue rien. Donc, on va essayer de pas surconduire. Se stabilise un coup devant, un coup derrière. Ouais, là j'ai perdu pas mal. Oh, derrière ça a tapé.
Allez, j'ai déjà moins la pression derrière. Putain, les pneus, ils sont en train déjà de me lâcher, c'est pas possible. Méfie. Un petit peu de temps là. Mets-toi à mi-course. Deuxième fois. Me méfie de celui-là parce qu'il est... Il est terrible ce vibreur, il y en a plein qui se sont cassés les dents. Du coup, je perds encore du terrain. 2 secondes 6. Pas que je ne compte que sur une erreur de sa part, ce serait un petit peu dommage.
Il lâche rien, hein. C'est pas possible ça. Allez, on a un petit peu augmenté. 2 secondes 4. J'ai reperdu un peu là. Mais là, carrément. Allez, 1 seconde 8, retardataire devant, et il reste 9 minutes. Il faudrait qu'il ne double pas avant la montée, parce que si lui passait pas moi, ça va être chiant. C'est bon ça.
l'avais dit. Bon, c'est trop tentant le mec devant. Attends, si je me tape un mur, j'ai tout perdu donc. 7 minutes, c'est jouable. C'est jouable, hein, une seconde 7. Je suis à la limite, hein, je vous cache pas. Pas de raison, hein, si j'y suis lui aussi. Ouh, je vais peut-être devoir calmer le jeu. C'est un peu trop dangereux. C'est con parce que je pense que j'avais moyen, mais les pneus là ça va pas. C'est trop chaud, trop risqué. Après, il les a certainement moins usés que moi. Je pense que ça fait effrayant.
Ouais, je lâche carrément prise. 3 secondes 9. Je pense que c'est plus sage. Oh, c'est juste dommage, j'en ai eu à la pole. Mais bon, je pense qu'il faut être plus prudent. J'ai plus à perdre de toute façon. Ouh, petit choc là. Ah, je suis à la limite vraiment avec les pneus. C'est compliqué. Garder quand même un rythme soulevé devant. Rythme soulevé, n'importe quoi, un rythme élevé, putain. Allez, dernier tour. Là, je la termine en mode touriste, hein. Ça c'est. Ça c'est sûr. Et voilà, deuxième course terminée avec la ouf. Bon, certes, on n'était pas très nombreux, mais bon, la course est là. Deuxième place, je la prends. Voilà, et je vous laisse à une prochaine. Salut!